shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Coucou tout le monde, alors cette fois-ci j'espère que vous m'entendrez mieux que la fois précédente parce qu'apparemment on n'entendait pas beaucoup. En même temps j'ai une petite voix donc puis bon, avec ce que je me filme c'est pas de la super bonne qualité. Alors pour cette vidéo je vais vous présenter la palette Mariposa que j'avais reçue en plus de la lookbox que j'avais acheté 23 euros au lieu de 38 euros, quelque chose comme ça. Donc en fait, je vais la swatcher. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il y a des super belles couleurs, dont le rose, le bleu, le gunmetal, je l'ai déjà dans une autre palette de chez Urban Decay. Donc voilà, je vais le swatcher. Donc pour commencer, il y a Rockstar. C'est un mauve. Il y a Gunmetal, je vais prendre un petit coton pour laver la main. Celles qui ont la naquette, la première naquette le connaissent, parce que il est dedans déjà. Donc c'est une couleur un peu gris métal comme ça, gris métallisé. Donc je vous ai déjà swatché ces deux-là. Après il y a Skimp. Donc ça c'est plutôt un orangé très clair et mat. Donc vous le verrez pas beaucoup à mon avis. Parce qu'en fait il est vraiment couleur peau. Non, vous ne verrez pas, mais là, oui. Il est vraiment couleur peau en fait. Je crois que ça sert à rien de le swatcher parce que vous ne le verrez quand même pas. Il y a Infamous, c'est un beau rose. Il est juste là en fait. Il y a je sais pas comment on dit, Fouettage, c'est un brun irisé. On met un peu plus hein. La lumière aussi. Alors il y a 8, c'est un bleu turquoise un peu comme ça. Il est super beau hein. On le voit bien celui-là. Il est vraiment très beau. Il y a Moni. La Moni. C'est un vert irisé. Il est juste là. Vous voyez mieux quand je fais comme ça en fait, je crois.
je vais continuer avec les doigts parce que sur la main on ne voit rien. Il y a un mushroom qui est un noir irisé en fait. Pas enfin, noir gris plutôt. Gris foncé en fait. Il y a Spotlight qui est un brun encore plus clair que le Rouécage. Plutôt brun très clair qui tire un peu sur le doré en fait. Et après il y a Limelight. Un doré, oui, un doré. En fait, il fait jaune sur la palette, mais quand on l'applique, il est vraiment très discret. Il est plutôt doré comme ça. Je l'ai mis ici et voilà. Donc voilà la palette. Pour vous dire où je l'ai commandé en fait, parce que ça vaut vraiment la peine d'aller sur ce site-là, parce que chez d'autres, vous allez payer beaucoup plus cher. Donc en fait, j'ai été sur le site de Tiffany et Carole. C'est elles qui font la Luxbox tous les mois en fait. Le site s'appelle Glossy Event et il y a toutes sortes de maquillages dont vous avez des palettes vraiment en promotion. Je vous le dis, je vous le redis encore, je l'ai payé 23 euros au lieu de 38 euros, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a encore des autres. Quoi. Et celle-ci donc c'est la Urban Decay Mariposa. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour la commander, vous allez sur le site Glossy Event et elles sont toujours à l'écoute si vous avez une question à poser. Elles sont toujours là pour vous expliquer. Donc voilà. Alors ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je ferai. J'aime bien la marque Essence Cicatrice. Donc peut-être que je ferai une petite revue là-dessus. Enfin, je ne sais pas encore. Je vous ferai de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.